Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite je crois. C'est une coiffure mélangée avec une tenue ou un peu un get the look. Si vous habitez sur Terre depuis plus de 2 semaines, vous avez sans doute entendu parler du festival de musique Coachella. J'ai vu plein de coiffures sur Tumblr et sur Instagram qui m'ont vraiment inspiré. Il y a plein de filles là-bas qui portaient les cheveux un peu wavy, un peu ondulés, un peu coiffé décoiffé. Genre je me suis réveillée ce matin, j'ai mis une couronne de fleurs, un short taille haute et je suis partie direction la coach. Alors qu'en vrai elle a passé 4 heures à se faire des fausses boucles. Moi j'adore, c'est vraiment le genre de coiffure que je porte tout le temps. J'adore faire semblant d'être une fille naturelle. D'où ça vient? À la base en fait c'est la marque De Sanges qui m'a contactée et qui m'a proposé de tester leur nouvelle gamme de styling. Donc ils ont 6 produits dédiés à la coiffure, donc pour lisser, pour boucler, pour faire du volume, enfin voilà. Ils ont vraiment une gamme très complète. Ils m'ont proposé de tester cette gamme et de vous parler de ce que j'aimais et de mettre en avant si je voulais un produit qui m'a vraiment plu. Et donc j'ai choisi ce produit là qui est le spray de la mer, donc le spray effet coiffé décoiffé. J'adore vraiment, il coûte 7,50€ et il est vraiment très bien. Ça donne cet effet là, donc voilà, vraiment c'est naturel et ça fait vraiment comme si j'étais sortie de la mer Méditerranée à l'instant, alors que pas du tout, hein, j'habite à Lyon. Dans ce spray là il y a du sel de la mer morte, ce qui explique un peu cet effet. Ce spray, comment il s'utilise à la base? Vous sortez de la douche, vous essuyez vos cheveux, vous empiétez sur vos longueurs, vous séchez les cheveux la tête en bas en froissant les cheveux et ensuite vous en réappliquez un petit peu pour vraiment activer le produit. Je vais vous montrer tout ça et à la fin de cette vidéo, enfin à l'issue de cette vidéo, vous pourrez gagner. Deux d'entre vous pourront gagner une gamme complète de De Sanges, donc 6 des produits de styling. Ça veut rien dire, 6 produits de styling quoi, qui conviennent à tout type de cheveux. Je vous dis, tout sera en barre d'infos, je vous expliquerai tout là-dessous pour participer. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que je vais tout bien réussir. Si c'est le cas, mettez un pouce vert et puis donnez-moi vos impressions en commentaire. Donc, je vous dis à très bientôt, ciao et c'est parti. Donc on commence par la coiffure, je vais tout d'abord prendre mon spray de la mer que je vais appliquer pas dans mes yeux mais sur mes longueurs. Donc voilà, j'en mets un peu partout et je plie mes cheveux, je froisse mes cheveux avec mes doigts. Vous allez voir les effets très rapidement. Ensuite on passe à l'étape numéro 2, je vais me faire une raie au milieu, donc voilà je délimite ma raie et ensuite je sépare donc une mèche de cheveux, je prends des cheveux jusqu'à mon oreille à peu près, je mets les autres derrière et je prends ma mèche. Je prends une petite partie de cette mèche, vraiment quelques centimètres, que je vais séparer en 3 pour faire une tresse basique comme on a l'habitude de faire. Je fais juste une maille et ensuite je vais prendre, donc une fois que je suis arrivée à la mèche du devant de la tête, je vais incorporer des cheveux qui sont restés en dessous. Donc voilà, j'incorpore, je continue de tresser normalement. Et une fois que je suis revenue au devant de ma tête, je réincorpore des cheveux et je continue comme ça pendant tout le long. Donc j'espère que les images vous montrent correctement ce que je vais vous dire. Voilà, dès que je reviens, j'incorpore et je continue de tresser normalement. Ça va faire en sorte que la tresse soit un peu plus collée à la tête et plus esthétique. Ça fait un peu comme une tresse africaine, sauf que c'est vraiment facile à faire. Essayez de faire en sorte que toutes vos mèches soient à peu près de la même taille pour que votre tresse soit régulière. Donc je fais exactement la même chose de l'autre côté, c'est très simple. Et j'oublie pas de tresser jusqu'au bout de ma mèche et de sécuriser le tout avec une bobby pin pour pouvoir ensuite faire le reste de la coiffure. Donc une fois qu'on a fait ça, on est bon. Non, on va continuer parce qu'on dirait un peu Alien de Spring Breakers. Donc voilà, je prends une partie arrière de mes cheveux et je vais la crêper pour créer du volume. Je passe un coup de brosse dessus pour lisser un peu le tout, que ce soit pas non plus horrible, dégueulasse. Je vais attacher mes deux tresses à l'arrière de ma tête, donc je prends des bobby pins et je clipse autant que je peux pour que ça tienne le plus longtemps possible. Une fois que c'est fait, on va pas laisser ces fins de tresses pendre comme ça. Donc je crée d'abord un peu de volume en remontant mes cheveux, c'est très simple. Et je vais venir cacher le bout des tresses dans la tresse qui est déjà faite. Donc voilà, plus vos cheveux sont courts, mieux c'est. Mais si vous avez les cheveux longs, vous rentrez ça à l'intérieur et vous clipsez le tout avec une bobby pin pour être sûr que ça soit bien sécurisé. Ensuite, étape numéro 3, je vais venir boucler très légèrement pour vraiment définir le tout. Je boucle 2-3 mèches histoire de dire que voilà, on voit bien l'effet un peu ondulé. C'est une étape qui est facultative, mais moi je fais toujours ça, même quand je laisse mes cheveux au naturel. Ensuite, numéro 4, on va venir terminer la coiffure et fixer avec leur huile biphasée qui va permettre de faire tenir les boucles plus longtemps. Et on a fini.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vert. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !